Bon alors, on y va bientôt, là? On commence à s'ennuyer ici. Encore une minute ou deux. Vous savez tout ce que vous devez faire. Ouais, ouais. C'était peut-être moi que vous attendiez, non? Écoutez-moi bien. Au cours de l'intervention, ne jouez pas les héros et surtout laissez-moi passer devant. Je veux ces types. Compris. J'entre avec Jerry. Vous, vous couvrez nos arrières et vous bloquez ceux qui nous échappent. Des questions? Ça va être chaud. Ça m'étonnerait. Et je vous rappelle qu'on a un informateur, Alvarez, à l'intérieur. Alors essayez de ne pas le tuer. Qu'est-ce qu'on fait? On l'arrête? Non, Corso. Je veux qu'on le laisse partir de façon qu'on sache qu'il travaille pour nous. Compris? Ouais. Alors bonne chance. Ouais, ouais. Au boulot. Ne bougez pas! Pourtant prévenu, cet idiot. On continue, tu es prêt? Quand tu veux. Attention, j'y vais. Attention! Ça devait être tranquille. On rigole. Ouvre-moi! D'artifice. Eh ben, on s'embête jamais avec toi. T'as vu un peu? Ça le faisait rire, il est dingue. Ouais, je commence à en avoir à la casquette de jouer les cow-boys avec lui. Ouais, il va tous nous faire tuer. Tu veux passer devant? J'y tiens pas trop.
Sur Rio. Je veux ce type. Attrapez-le! Non, c'est Alvarez, notre indique. Laisse, j'y vais. Jerry! Jerry! Je sais que t'avais une histoire pour moi. Chut. Ne bouge pas de là. Hé! Hey! Où tu étais passé? Hé, hey, je me suis trompé de bureau. Bon. Alors, qu'est-ce que t'as pour moi? Du calme, d'accord? D'abord, tu te calmes. Ça va aller? Oui, j'ai juste reçu un coup sur la tête. Et qui êtes-vous? Sergent Morgan, officier de police. Mais vous, qui êtes-vous? Karen Reichardt. Je suis photographe indépendante. J'avais eu un tuyau par le sergent. Vous voulez me raconter ce qui s'est passé ici? Oui. Ce que j'en sais, en tout cas. J'avais suivi Jerry qui venait de monter dans un bureau et... Un type s'est approché alors. Jerry m'a caché derrière le bureau. Et puis je n'ai plus rien vu. Vous n'avez pas vu celui qui a tiré? Non, j'ai attendu un peu et je suis sortie. Et un peu après, on m'a attaqué. J'ai essayé de me défendre, mais j'ai été assommée. Vous n'avez rien vu d'autre? Non, rien du tout. Vous êtes certaine? Oui. Faites un effort, c'est très important. Mon équipier a été abattu là-haut. Vous ne vous souvenez de rien d'autre? Sergent, je vous promets que c'est tout ce dont je me souviens. D'accord. Est-ce que vous avez pris des photos? Oui. Donnez-moi votre rouleau. Vous allez me le confisquer. Les photos que vous avez faites peuvent nous apprendre des choses. Le rouleau est encore à l'intérieur. L'autre, s'il vous plaît. Oh. Il n'y en a pas d'autre. J'ai esquinté celui-ci en frappant sur mon agresseur. Il faut le démonter pour réussir à l'ouvrir. Mais de toute façon, regardez, il est vide. Le compteur vous l'indique clairement. Vous en êtes certaine? Oui. Tenez, regardez. Ça va. Et vous pensez que j'aurai le droit de le récupérer? Aussitôt que le labo l'aura développé et qu'on l'aura gardé, je vous téléphonerai. Vous n'allez pas prendre ma déclaration, m'interroger? Je viens de le faire. En tout cas, vous ne devez parler à personne de tout ça avant d'avoir de mes nouvelles. D'accord.
Votre voiture est par ici? Oui, pas loin dans la rue. Vous pouvez rentrer toute seule? Oui. Je dois remonter là-haut. Bien. On a tué cet homme pour l'empêcher de parler. Je crois que vous connaissez Joe Townsend des affaires internes. Évidemment. Il a quelques questions à vous poser sur ce qui s'est passé. Dites-moi, sergent, où étiez-vous quand Moon a été tué? J'ai déjà fait un rapport complet, capitaine. Je me suis tourné pour voir si Jerry me suivait bien, mais j'étais seul. Quand je l'ai revu, il était allongé par terre dans le bureau auprès d'Alvarez. Qu'avez-vous fait après ça? Il fallait une ambulance, j'ai cherché un téléphone. Il y en avait un dans le bureau voisin. Je l'aurais su si je travaillais à la compagnie du téléphone, mais je travaille pour la police, d'accord? Vous entendiez bien? Oui, Jerry était un type bien. Alors vos rapports étaient plutôt amicaux? Non, nos rapports étaient plus qu'amicaux. Vous savez qui a tiré? Non, mais vous allez me le dire. Après tout, l'idée du micro vient de vous, je parie. Et il ne m'en a pas parlé avant. Parlons un peu de la fille. La fille? Oui, il y avait une fille avec Jerry. Alors c'était sûrement la femme invisible, parce que moi, je n'ai vu personne. Très bien. Alors, Vince, les affaires internes veulent vérifier plusieurs choses, alors vous aurez quelques jours de repos. Vous parlez d'une suspension? Non, c'est un congé supplémentaire après la mort de Jerry, c'est tout. Vous avez terminé? Entrez chez vous. Et appelez-moi demain. Sergent, une dernière question. Combien Lopez vous paye-t-il? Il vous suffit de mener une enquête sur moi, et vous le saurez. J'ai mérité ça? Joe, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'agissais pas de cette façon quand tu travaillais pour moi. Non, mais Vince est véreux depuis des années. Ce n'était pas très important, mais là, c'est plus grave. Tu as des preuves? Ça ne va plus tarder. Alvarez était le complice de Tony Rossa. Il sait sûrement des choses. Oh, tu feras mieux de tout raconter. Mais puisque je vous répète que je ne sais pas ce qui s'est passé. Allez, va raconter ça à d'autres. Mais c'est vrai, j'ai rien vu. Ah, oh, je vous attendais. En quoi puis-je vous être utile? Eh bien, je venais voir si vous répondriez à quelques questions. Pourquoi pas? Tout le monde a envie de m'interroger aujourd'hui. Que voulez-vous savoir? Avant tout, si vous avez réussi à identifier le meurtrier. Je pense que vous êtes la mieux placée pour le faire, puisque vous étiez là quand le drame est arrivé. Vous inversez les rôles. Je regrette, mais c'est à moi, le policier, de poser les questions. Oh. Est-ce que vous, m'apportez d'autres précisions? D'autres précieux enseignements? Non. Non? Non. Bon, dans ce cas, ne m'en veuillez pas, mais j'ai encore un travail fou à faire. Mais est-ce que vous avez développé mes photos? Le labo est débordé. Je vous appellerai dès que j'aurai des nouvelles.
Vous savez, sergent, certains hommes sont extrêmement flattés quand je m'intéresse à eux. Parce que vous vous intéressez à moi? Je ne savais pas. Je vous appelle. Merci. Mais de rien. Allô? Bonjour, Karen. Bonjour, Josh. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Sarah qui voulait te parler. Je te passe, maman. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Tu avais quelque chose à me dire? Oui, il y a papa qui me fait mon plat préféré ce soir à dîner, des macaronis avec du fromage râpé. Oh, tu viens manger avec nous? Non, Sarah, j'ai du travail. Je ne peux pas ce soir. Je suis désolée. Repasse-moi papa, s'il te plaît. Tu fais toujours que travailler. Karen. Écoute, je ne trouve pas ça très intelligent de vouloir me forcer la main en me la passant au téléphone. On s'est seulement dit que tu avais besoin de souffler. Non, pas on. C'est toi seule qui te le dis. Et tu as tort de faire ça. Ensuite, c'est Sarah qui en souffre. Et tu penses à ton rôle de femme et de mère. Ta place est ici. Je suis la mère de Sarah, Josh. Et c'est tout. Tu la déposes toujours demain? Non, elle a un léger rhume, alors je préfère la garder ici pour veiller sur elle. Elle avait pourtant l'air d'aller très bien. Tu peux toujours venir dîner, si tu en as envie. Au revoir, Karen. C'est pas vrai. Oui? Je voudrais des précisions sur la femme invisible. Elle s'appelle Karen Reichardt, c'est une journaliste. Jerry lui refilait des tuyaux pour ses articles. Que c'est elle exactement? Elle ne doit pas savoir grand-chose, elle était assommée quand je l'ai trouvée. Elle a pris des photos? Oui, mais j'ai confisqué la pellicule, elle a été développée, il n'y a rien d'inquiétant. Il ne manquait plus que ça. Une journaliste qui cherche à écrire l'article de sa vie, il faut la surveiller de très près. Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Sortir avec elle? Gardez le contact, appelez-la et dites-lui que vous allez lui rendre sa pellicule. Bon, d'accord. Oh, au fait, j'ai vu votre ami Surio à la SIG. Et vous savez, j'aurais pu l'arrêter. Les gros bonnets veulent qu'on le laisse tranquille. À mon avis, il commet une erreur. Ce n'est pas vous qui décidez. Une seconde, on va vous conduire en cellule. Regarde, tu les connais, ces deux-là. Qu'est-ce qui sent mauvais comme ça, ici? Hé, Vince, il paraît qu'il y a un flic qui a été tué. Oui. Et c'est ton copain de Jerry? C'est toujours les meilleurs qui s'en vont. Billy Jack, est-ce que Poupin n'essaierait pas de m'énerver? Non. Alors ça, c'est chouette. Oui, vous voyez, je suis fou de joie de savoir que ces petits minables vont rester quoi, 10, 15 ans derrière les barreaux. J'admire votre formidable sens de l'humour en vous voyant rire comme ça. Oui, mais quand j'en apprendrai un peu plus au juge sur toi, je te parie que tu me suivras de très près. Oui. Et j'espère avoir le plaisir de te recevoir. Tu sais ce qu'on fait aux flics là-bas? Hein? Tu le sais? Non, Bouba. Et qu'est-ce que vous leur faites aux flics là-bas? Est-ce que... vous leur faites ça? Ah! Oh! 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 Ça, c'est amusant. Hein? Vous dire un mot, Billy Jack? Non? Emmenez-les vite. Allez-y. Allez. Il est incorrigible.
Et Madame Ricard. Bonjour. Bonjour. Vous avez eu mon message? Oui, merci d'avoir appelé. Je tiens vraiment à mes photos. Excusez-moi, les gars du labo ont été un peu retardés. Mais j'ai récupéré vos photos. Oh, mais quel travail. Mais regardez ça. Avouez que c'est raté. C'est affreux. C'est sans doute le modèle, fautif pas le développement. Je vais vous refaire ça et vous serez surpris de voir la différence. Bonne idée. Surprenez-moi. Que s'est-il passé alors l'autre soir? Je ne peux rien vous dire. Rien du tout? Non. Quand j'ai rencontré Jerry la veille, il me disait que ce soir-là, ils allaient essayer de débusquer un rat. Ils ne voulaient pas le faire, mais ils n'avaient pas de choix. Et ils pensaient que ça ferait un excellent article. Madame Ricard, Jerry et moi étions vraiment proches. Et s'il y avait eu quelque chose en cours ce soir-là, je peux vous affirmer qu'il m'en aurait parlé. Laissez-moi vous parler un peu de Jerry. Jerry adorait les femmes. Je suppose qu'il a inventé toute une histoire digne d'un grand article pour... Est-ce que vous et lui... Il ne faisait que m'apporter certains tuyaux. Oh, je vois. Vous aimez ce que vous faites? Oui, grâce à ce métier, je peux jouer à la roulette russe. J'adore prendre tous les risques. Oui, je l'avais déjà deviné. Vous êtes marié? Divorcé. Et j'ai une petite fille, Sarah, qui va avoir bientôt 8 ans. Et si on dînait? Non, désolée. Je ne peux pas, je dois aller chercher ma fille. Ah oui? Oui. Mais je vous remercie beaucoup pour mes photos. De rien. Au revoir. Au revoir. Excusez, sergent. Où sont les prisonniers? Et ils se sont planqués quelque part. Et ils ont un couteau, Vince! Vite, dépêche-toi. Dépêche-toi, tu m'entends? Avec quoi? Mais avec tes clés, dépêche-toi un peu. Je les ai laissées à l'intérieur, regardez vous-même. C'est pas vrai, ça! Laisse-moi faire. Avec ça, imbécile! Ouvre vite! Écrouille-toi! Vous savez? Tout à fait entre nous, je crois que vous allez finir par m'énerver. Vas-y, crève-le! Monte là-dedans! Allez, dépêche-toi! Jack a des ennuis. Mais t'es mort! Qu'est-ce qu'il y a dans cette voiture, dis-moi, bon sang, mais qu'est-ce que t'as? Cher Billy Jack doit commencer quelque part à se sentir un peu seul. Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux continuer comme ça?
Uma! Hey! Uma! Morgane! Hé, hey, Morgane! Dépêche-toi de déposer ton arme par terre ou bien je lui casse la nuque! Allez, dépêche-toi! Écoute, tu me suis et surtout tu restes tranquille. C'est mon arme, Pouba. Rends-la-moi. Ah, mais tu me prends vraiment pour une andouille. Non, je crois que tu es un grand génie. Allez, rends-moi mon arme. Ah, c'est ton arme. Eh bien, tiens, alors prends ça. Oui, c'est mon arme que tu tiens. Et ça, ce sont mes cartouches. Et toi, tu n'es qu'un pauvre imbécile. Ah! J'ai mal! Mon bras, j'ai mal! Tu vas me le casser! Ah oui? Vous lui cassez le bras, vous allez retarder son procès. C'est vraiment ton jour de chance, Pouba. Hé, hey Vince, vous croyez que ça peut rester entre nous? J'ai absolument rien vu. Merci beaucoup. Ça va? Oui, mais j'ai juste un petit peu mal au cou. Je me demande pourquoi. C'est assez incroyable, mais dès qu'on se voit, vous me sauvez la vie. Oui, ça marche bien jusqu'à maintenant. En tout cas, moi, après ça, j'ai besoin d'un verre. Oui, moi aussi, je dois l'avouer. Mais il va falloir y aller avec votre voiture. Je ne sais pas du tout ce qu'a la mienne, elle ne démarre pas. En fait, j'essayais de vous rattraper pour vous donner ceci. Qu'est-ce que c'est? Votre foulard, très défraîchi. Allez, venez. On va aller le boire, ce verre. C'est tout ce que vous voulez? Vous en êtes sûr? Oui. Alors, voilà. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Allez-y. Tout à l'heure, dans le garage, avec ces deux voyous. Vous trouvez que j'ai un peu trop forcé? Bon, pour moi, c'est simple. Je pense qu'on est tout le temps policier, à chaque moment. Et qu'on doit mener une lutte incessante contre les voyous et être prêt à se faire tuer. C'est pour ça que pas mal de gens me croient cinglés. Ça ne doit pas être toujours très facile de vivre avec vous. Ah, oui, je sais. Jamais marié? Non. Je n'ai pas eu tellement de chance dans ce domaine. Ça va? Oui, vous voyez le type là-bas, au bar? Je suis sûre de l'avoir déjà vu quelque part, mais je me demande où, je m'en souviens pas. Je connais presque tout le monde par ici depuis longtemps. Et je ne l'ai jamais vu avant. Qu'est-ce que c'est que ce bracelet? Un bracelet matricule de la marine. C'est le nom de qui? D'un ami à moi. On est parti se battre en même temps. J'ai eu la chance d'en revenir, mais pas lui. Pourquoi vous le portez? Pour ne jamais l'oublier. C'est chouette. Oui. Je croyais que vous étiez pressé tout à l'heure. Vous deviez passer prendre quelqu'un. Une petite fille. Non. Non? Non, en fait, je vous ai raconté un petit mensonge. Oui, un petit... Un mensonge quand même. Vous savez ce que je fais aux personnes qui me mentent? Je les arrête. Alors arrêtez-moi. Mmh.
Pas elle. Allô? Pourquoi t'es-tu sauvée? J'ai du travail aujourd'hui. Tu veux travailler par une journée pareille? Je sais qu'il fait beau dehors, c'est rageant. Mais j'ai un article qu'il faut que je finisse. Je croyais que tu aimerais voir ce que je fais de mes jours de repos, quand j'oublie un peu d'être flic. Je regrette, je dois finir cet article, sinon ils vont me tuer. S'il te plaît, on va bien s'amuser, tu pourras admirer une autre de mes facettes. Allez, viens. Mais allez, vas-y, mais plaque-le, tu fais quoi? Bravo, bravo. Roland, les attaquants. Non, j'y crois pas. C'est trop facile pour la défense. Oui, voilà, ça c'est bon. Allez, on y va. Allez, montez sur l'aide. Bravo. On arrête et on gagne son camp. Faites encore une attaque et ça suffira pour aujourd'hui. Une seule et après vous rentrez tous chez vous. Allez, on y va les gars. C'est compris, allez, dépêchez-vous. Écoutez. Et appliquez-vous. C'est la bonne graine de joueur, hein? Oui, il faut dire qu'ils ont un très bon entraîneur. Merci. Écoute, puisque c'est sur notre chemin, on pourrait passer voir un vieil ami, Ernie. Qui est Ernie? Ernie Duran. Il habite le coin depuis la nuit des temps. Je voudrais juste m'arrêter et prendre de ses nouvelles. D'accord. Oui? Aucun problème. Ils ont tué Ernie. Tu veux descendre? Tu as le temps. Non, merci, je viens avec toi. Thank you.
Casse-toi. Excusez-moi. Qui êtes-vous? Je m'appelle Karen Reichardt, je suis journaliste. Joe Townsend, j'aime bien ce que vous écrivez. Allez, assieds-toi. Merci. Vous écrivez un article sur la vie de Vince? Non, non, ah, j'étais en voiture avec lui quand il est allé voir un ami et son ami a été assassiné. Vince est parti finir son rapport. Qui a été tué? Oh, un vieux monsieur. Vous savez comment il s'appelait? Oui, il s'appelait Ernie Duran. Vas-y, je vous dis, j'ai rien fait, moi. Oh. D'après Vince, ce n'était qu'un vieil épicier sans histoire. Vous sortez avec Vince? Ça, je crois que ça ne regarde personne. C'est tout le contraire. Demandez à Vince de vous parler d'Ernie et de Lopez tant que vous y êtes, et vous serez étonné. Ernie était bien plus qu'un petit épicier. Oh, à tout hasard, Jerry Moon, ça vous dit quelque chose? Je vous pose cette question parce que Jerry portait un micro le soir où il a été tué. Oui, bon, et alors? Il y avait une femme avec lui quand on l'a abattu. Oui, et pourquoi est-ce que vous me dites ça? Oh, je suppose que cette femme court un grand danger. Ça ferait un papier intéressant. Oui, sans doute. Vous pourriez peut-être l'écrire. Téléphonez-moi si vous voulez entendre le reste de l'histoire. Ça va être long, tu vas la fermer, oui. Allez, viens. Viens ici. See me dying. Enough material.
Je t'aime. Attends, on se verra tout à l'heure. Non! Non! Vince. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. J'ai fait un cauchemar. Rendors-toi vite. Tu parlais à une femme qui s'appelle Anne-Marie. C'est elle sur la photo? Oui. Je l'aimais énormément. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas collé, c'est tout. Rendors-toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça n'a pas collé? Écoute, on se connaît à peine, toi et moi, et tu veux que je te raconte toute ma vie? Tu refuses d'en parler? Parce que je ne crois pas que ça te regarde. Et Ornie Doran, ça ne me regarde pas non plus. Qui t'a parlé de lui? Joe Townsend. Et qu'est-ce que Joe Townsend t'a raconté? Il a dit que c'était bien autre chose qu'un gentil vieil épicier sans histoire. Il n'a pas à t'en parler. C'est très imprudent de t'avoir parlé de ça, Karen. Tu es une journaliste. Est-ce que tu aurais quelque chose à cacher? Je ne crois pas, non. T'en vas? Oui. Oui, je dois partir. Prendre ma fille. Tu as vu l'heure? Tu ne vas pas y aller si tôt? Ah non, j'irai la prendre un peu plus tard. Alors pourquoi tu pars déjà? Mais j'aimerais tout préparer pour elle. Je sais que c'est idiot de dire ça, mais je me sens gênée avec ma fille. Elle traverse des moments difficiles depuis notre divorce et je sais que quelque part, elle m'en veut d'avoir quitté Josh. Bon, rassure-toi, elle t'aime toujours. Alors, cette semaine, on ne pourra sûrement pas se voir. Je lui consacrerai tout mon temps libre, tu sais. Tu me téléphoneras? Mais. T'es sûr que ça va aller? Oui, je suis seulement un peu fatigué. Alors, repose-toi. Au revoir. Jamais joué à la roulette russe. Vince, ça n'a rien d'amusant. Non. Non. C'est bizarre, moi j'ai toujours trouvé ça amusant. Vince! Vince! Non! Vince, mais qu'est-ce qui te prend? Vince, est-ce que c'est à cause de Jerry? Ça n'a rien à voir avec ce pauvre Jerry. Avec qui alors? Vince!
Vince, avec Anne-Marie. Tu te souviens de Polo Passaro? Oui, c'était un abominable tueur. Tout le milieu lui obéissait. Oui, moi je faisais tout pour le coincer. Il avait des relations influentes, on m'a demandé de l'oublier. Même des flics m'ont demandé d'abandonner. Je n'ai rien écouté, je voulais vraiment l'avoir et crois-moi, j'ai failli réussir. Un jour, Anne-Marie a pris ma voiture. Quand elle a mis la clé et a démarré, une terrible explosion l'a tuée sur le coup. Oh mon Dieu. C'était moi qu'on visait. Vince, tu ne peux pas en vouloir, tu n'y es pour rien. Est-ce qu'on a trouvé le tueur? Oui, je l'ai trouvé. Tu t'es habillé? Oui, je t'affilais. Il faut se voir souvent tous les deux. Promis. Ça va aller? Oui. Tu en es sûr? Oui, absolument. Oui. Ils vont interroger Tony Rosa demain matin. D'accord, je vais régler ça. Parfait. Vous surveillez toujours la fille de près? Oui. Elle m'inquiète. Il ne faut pas la quitter les yeux dans les jours qui viennent. Ça risque d'être plutôt difficile. Allez, bouillez-vous. Bien. Alors, vous en avez assez de travailler au bureau des narcotiques. Vous voulez être muté? C'est exact, lieutenant. Expliquez-moi d'abord votre problème. C'est une question d'horaire? Non, une question de personne. Ça, c'est clair. Mais si j'en crois vos dossiers, ça va sûrement prendre des mois. Eh bien, je vais vous faire une faveur. Je vous prends avec moi. Tout compte fait, on va rester là où on est. Attendez une seconde, laissez-moi parler. Ça vous dit de m'aider à démasquer Morgan? Désolé, mon chou, j'ai fini pour ce soir. C'est moi, Crystal. Vince. Urgent, ça. Tu m'as dit n'importe quand, souviens-toi, le jour ou la nuit. Et c'est la nuit. Et tu me dois un petit service. Je peux pas, on m'attend. T'inquiète pas, j'en ai pour une minute. Je veux juste te parler. Comment est-ce que tu vas? Très bien. Ah oui? Et comment va ton petit ami? Lequel? Lequel? Ça, c'est bon. Ouais, j'en sais rien, moi. Eh ben, disons, Tony. Tony Rosa. Ça, je regrette. J'en sais trop rien. Je le vois presque plus. Presque plus? D'accord, mais quand tu le vois, où il va? Qui il fréquente ces temps-ci? Oh, personne de si chouette que toi, Vince. Personne de si chouette que moi? T'es une vraie charmeuse, toi, dis donc.
Mais ce que je veux savoir, c'est avec qui Tony travaille. Qui est son fournisseur. Je te dirai rien là-dessus. Tu ne sais pas ce qu'il me ferait. C'est rien du tout. Comparé à ce que moi, je vais te faire. Ça, tu peux me croire. Alors, parle. D'accord. D'accord. C'est Ziggy. Ziggy Maurice? Tony est souvent avec lui en ce moment. Ah. Si je comprends bien, il est mal barré. Ah oui? Tu veux t'expliquer un peu? D'abord, Curtis et Corso, et maintenant, toi. Curtis et Corso? Qu'est-ce que tu leur as appris? Rien du tout. Ne raconte pas d'histoire. Rien du tout. Vince, tu me fais mal. T'es au courant pour Ernie Doan? Il est mort. Il quoi? Il est mort. Oui, ils l'ont tué. Alors, écoute-moi bien. Il y a en ce moment de vrais dingues qui te tueraient pour rien du tout. Alors, j'aimerais savoir, tu veux vivre? Ou tu veux mourir? Hein? Je veux vivre. Tu veux vivre? Alors tiens, prends ça. Et quitte vite la ville. Et tu vivras. Si tu restes, tu mourras. Va-t'en d'ici. Va-t'en! C'est pas une arrestation, je vais juste lui parler. J'espère qu'il va nous croire. Tony. C'est moi, Vince. Vince? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Les flics des narcotiques sont là dehors. Ils viennent pour vous attraper, toi et Ziggy. Je te conseille d'aller l'avertir de disparaître en vitesse d'ici. D'accord, merci. Secoue-toi un peu. En douceur, on a besoin de lui. Hé, hey, Tony! Tony reçoit! Ici le sergent Albert! Bouge pas! Vous venez pour Tony, hein? Ouais. Lieutenant? Allô? Qui est-ce? Karen, ne raccroche pas. C'est moi, Vince. Vince, ça va pas? Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir. De quoi tu parles? Ce boulot... Je ne sais pas... Je ne sais pas combien de temps je pourrais continuer.
tu sais que tu peux tout me dire. Oui. Oui, je sais que je peux tout te dire, mais je ne peux pas te parler de ça. Tu sais bien pourtant que souvent ça aide de parler. Les flics sont censés être au-dessus de tout soupçon. Écoute, je ne peux pas parler de ça au téléphone. Il faut que tu viennes, s'il te plaît. Vince, il est tard. J'ai vraiment besoin d'un peu de repos. Et tu penses à moi? Tu penses à moi, Karen? Bonjour. Bonjour. Je suis un peu en retard. Je suis passée à la pharmacie à acheter un médicament pour ça. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, rien de grave, c'est juste un début de rhume. Elle a dû prendre froid avec George. Oh. Écoute. À propos du coup de téléphone d'hier soir. Ces derniers temps, j'ai une terrible pression sur les épaules. Et tu sais, il faut pas m'en vouloir. Je suis désolé, j'aurais pas dû m'énerver comme je l'ai fait. En tout cas, je peux te dire que ça m'a beaucoup inquiété. C'est difficile de savoir ce qui se passe avec toi. Un jour, ça va, et un autre jour, c'est l'enfer. Écoute, j'ai bien réfléchi depuis hier soir. Tiens, je t'ai marqué le numéro de téléphone d'un très bon médecin. Je crois que tu devrais l'appeler. T'as parlé de ça à Townsend? Mais non, ça n'a rien à voir. Vince, tu as besoin d'aide et il peut te l'apporter. C'est de toi dont j'ai besoin. Non, Vince, non, c'est pas vrai. Je sais pas ce qu'il faut faire pour toi. Tu as besoin de l'aide d'un professionnel. Très bien. Très bien, c'est d'accord, je l'appellerai. Et je te demande de me laisser seule quelques jours. J'ai besoin de faire le point. Toi, essaie de te reposer. Entendu. Sarah va m'attendre, je dois m'en aller. D'accord. Au revoir. On en reparlera. Karen? Et vous, alors, vous avez longtemps habité ce quartier? Oui, longtemps. Mes parents ont habité ici dans le temps. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Oh, je suis en retard. Bonjour, Josh. Bonjour. Et bonjour. Madame Ricard. Comme tu n'étais pas là, Monsieur Morgan nous a... Vince. Appelez-moi Vince. Vince nous a gentiment fait entrer. J'ai appris que c'est à lui que tu loues cet appartement. Oui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure à votre à Josh, c'est une chose que je ne ferai pas pour tout le monde, mais je savais que ça vous inquiéterait de savoir votre fille dans la rue. Je vous remercie, c'est très gentil à vous. Mais de rien. Bon, fais-moi un gros bisou, je m'en vais. Et sois gentil, surtout. Vince, encore merci et au revoir. Au revoir, Josh. On joue? Bon, j'en passe la prendre, comme d'habitude. Josh, si une autre fois je ne suis pas là, s'il te plaît, attends-moi à l'extérieur. Oh, je t'en prie, Karen. Je ne veux pas que tu entres dans mon appartement en mon absence. Est-ce que toi, ça te plairait? Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de quoi? Tu caches des choses? Bon, très bien. Oui, bravo, ça va, bravo. Vas-y, recommence. Et vise bien. En plein milieu, oui, voilà, ça fait deux de suite. Sarah, pour jouer à la balle, il faut jouer dehors. Mais, votre honneur, tout ça, c'est ma faute. C'est moi l'auteur du crime. Laissez une pauvre victime profiter de la vie. Chéri, va jouer dans ta chambre, s'il te plaît. J'ai quelque chose à dire à Monsieur Morgan. Oh, t'es pas drôle, maman. Au revoir, Sarah.
Pourquoi tu fais cette tête? Vince, ce n'est pas pour la balle, tu t'en doutes. C'est une intrusion illégale. Tu n'as pas le droit de t'introduire ainsi dans mon appartement. Karen, j'ai fait un saut jusqu'ici pour une seule raison. Te donner ceci que tu avais oublié au restaurant. Je ne suis pas un cambrioleur. On se voit quand? Je t'ai dit que j'avais besoin d'un peu de temps. Laisse-moi respirer un peu. Je ne demande qu'à t'obéir. Je m'en vais, je m'en vais. Affaires internes, lieutenant Joe Townsend. Lou Surio. Trois arrestations, deux condamnations, tout au sujet de la drogue. Ils travaillaient pour Lopez jusqu'à ce qu'ils aient un différend financier, et c'est Vince qui s'en est occupé. Lopez? Il dirige une grosse organisation de trafic de drogue. Il paye votre ami Vince pour qu'il ne voie rien. Vous voulez boire un café, un soda? Juste un verre d'eau. Vous avez pu savoir ce qui est arrivé à ce vieil épicier l'autre jour? Ernie Duran? Vous ne méprenez pas sur lui. Ernie était une belle ordure. Et rien de plus. Il travaillait pour Lopez et vendait de la drogue. Ah, tout ce que vous dites paraît difficile à croire. Et ce n'est pas tout. Vous savez qui c'est? Jerry Moon, l'équipier de Vince qui a été abattu. Nous pensons que Vince a tué Jerry et un autre de nos informateurs, Sal Alvarez. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Jerry et Sal m'aidaient pour coincer Vince. Où avez-vous pris ça? Je ne sais plus très bien où c'était. C'était à la SCG. Est-ce que vous y étiez? Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Écoutez, Madame Ricard, il y a eu suffisamment de victimes. Vince va certainement vouloir vous éliminer. On avait un autre témoin, mais il a été tué hier soir. Mais si vous savez autant de choses contre Vince, pourquoi est-ce que vous ne l'arrêtez pas? Parce que les divers témoins ont tous disparu. On veut un dossier plus solide. Alors, vous y étiez ou non? J'y étais, oui. Que s'est-il passé? C'est Alvarez, l'indique. Laisse, j'y vais. Jerry! J'ai vu Jerry qui montait en courant derrière quelqu'un. Et je l'ai suivi. Je lui ai parlé. Il m'a demandé de rester caché sous le bureau. Bouge pas de là. Alvarez est arrivé et j'ai entendu deux coups de feu. Et Jerry est tombé, tout près de moi. Mais qui vous avait dit d'aller sur place? Jerry. Il disait avoir une histoire intéressante pour moi. Ce vieux Jerry, toujours aussi cachotier. Oui, et après? Après, j'ai voulu filer et quelqu'un m'a assommé. Je suppose que vous n'avez pas vu qui c'était. Non, je n'ai rien vu. Quand j'ai repris connaissance, Vince était près de moi. Il a pris les photos et c'est tout. Je pensais qu'il me demanderait de faire une déposition, mais pas du tout, il m'a dit de m'en aller. Et ça vous a paru normal? Enfin, c'est un flic. J'ai récupéré mes photos deux jours après, comme je l'avais demandé. Seulement, il n'y avait plus celles de Surio. Où est-ce que vous les avez récupérées? Je les ai prises dans la chambre de Vince. Vous savez qu'on pourrait vous arrêter? Ça va, Phil, ça va. Karen, vous allez rentrer chez vous et réfléchir à tout ça. Il est possible que vous ayez aperçu le tueur, un de ses vêtements ou un indice quelconque. D'accord, je peux partir. Oui. Vous voulez qu'on vous raccompagne? Non. Ne la quittez pas des yeux. Celle-là, il faut la garder. Oui? Ils ont un autre témoin. Vous savez qui c'est? Non. Supposons que ce soit votre amie, la journaliste. Vous croyez qu'elle a déjà pu parler à quelqu'un? Si c'était le cas, ils auraient bougé tout de suite. Oui. Vous devez avoir raison. Éliminez-la.
Mais je crois qu'on devrait d'abord vérifier ce qu'elle sait. Non, pas de risque. Je sais comment la tenir. Laissez-moi d'abord lui faire dire ce qu'elle sait. Ne discutez pas. Éliminez-la. Vous avez compris? C'est la dernière fois. Je m'arrête après ça. Vous ferez ce que je vous dirai. C'était notre marché. Vous êtes sûr de pouvoir vous charger d'elle? Sinon, je ferai appel à quelqu'un d'autre. Je le ferai. Allô? Madame Reichardt? Ici Joe Townsend. Je voulais savoir si vous aviez trouvé quelque chose. Non, monsieur Townsend, rien du tout, mais je continue à chercher. Et j'aurais besoin de toutes vos photos. Je vous les ai montrées. Oh non, je voulais dire tous les négatifs. Certains clichés qui semblaient peu intéressants n'ont pas été développés et nous aimerions jeter un coup d'œil dessus. Ils nous apprendront peut-être quelque chose. Mais vous n'y trouverez rien du tout. Soyez gentille, apportez-nous les négatifs. Très bien, je passerai demain matin. Être très ouvert, le curateur. Et il est resté pendant un bon bout de temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Maman? Oh. Oh, c'est toi, ma chérie. Oh, j'ai eu peur. Bonjour, bonjour. Ça, c'est pour maman? Merci pour les journaux. Tu as bien dormi? Oui. C'est vrai? Et tu as fait tout plein de rêves formidables? Oui. Oui? Bravo. Est-ce que tu veux ton petit déjeuner? Oui. Un chocolat? Mais sans crème. D'accord, sans crème. D'accord. À vite. Je t'aime. J'arrive tout de suite. Dépêche-toi, tu vas être en retard. Gary, c'est Karen. Excuse-moi de t'appeler aux aurores. Mais non, non, j'étais levé. Bonjour. Gary, j'ai découvert un détail très important en examinant les photos. Ah oui, qu'est-ce que c'est? C'est une photo ratée et assez floue, mais j'ai réussi à l'éclaircir. Et on voit la main du tueur avant qu'il ne tire. Et le tueur en question a le même bracelet et la même bague que Vince. Calme-toi. Je sais plus quoi faire. Calme-toi. Il faut vite aller porter la photo à Townsend. Il ne peut pas la porter plutôt à quelqu'un d'autre. Mais non, tu as une preuve impliquant un policier dans une affaire de meurtre. Ça concerne les affaires internes. Joe Townsend et personne d'autre. Gary, ce tueur n'est pas ordinaire. C'est un policier et il peut mettre mon téléphone sur écoute. J'arrive plus à réfléchir. Et j'ai Sarah avec moi. Elle doit bien aller à l'école. Oui, mais j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est encore à l'école qu'elle sera le plus en sécurité. Dépose-la là-bas et appelle-moi à mon bureau quand tu seras rentré. Et si ça t'inquiète, ne téléphone pas de chez toi. D'accord. D'accord, merci, Gary.
Sarah? Tu es prête, chérie? Allez, dépêche-toi. Je suis prête. C'est bien, ma puce. Attends-moi une seconde. Allô, pourrais-je parler au lieutenant Townsend? Oui, je sais, mais... D'accord. D'accord, j'attends. Oui. Très bien, je rappellerai plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Ici la voiture 22, à toutes les unités. Un policier vient d'être blessé. Je répète, un policier vient d'être blessé à l'angle de la 5e rue et de l'avenue d'Archwood. On a besoin de renforts de toute urgence. Je répète, de toute urgence. Qui est-ce qu'il y a dans la voiture 22? Je sais pas, mais c'est pas bien loin pour nous. Annonce-leur qu'on y va. Ici voiture 12, on répond à l'appel de la 22. Joe, ça va, merci. Je veux en savoir plus sur Vince. Tu as dit que tu m'expliquerais. Écoutez, l'enquête sur lui est toujours en cours. Et tu veux me dire pourquoi ou bien est-ce que c'est top secret? On a obtenu de nouvelles preuves récemment. C'est sérieux? Lesquelles? J'ai un témoin de la scène. Tu crois toujours qu'il a tué son équipier? Oui, bien sûr. Tu plaisantes, Joe. Quel témoin? Oui. Qu'est-ce que vous faites là-bas? J'ai pensé qu'ici, personne n'oserait venir interrompre ce que je prépare. Il faut tout de suite faire taire cette journaliste. Elle a découvert quelque chose qui vous compromet. Quoi donc? Je ne sais pas, une photo sans doute. C'est impossible, je les ai toutes examinées, il n'y a rien. Je vous dis qu'elle a une preuve et ça m'inquiète. Alors rassurez-vous, j'ai la situation en main. Trouvez vite cette fille et débrouillez-vous pour qu'elle ne parle plus jamais à personne. Attendez une seconde. Sarah, viens ici, viens dire bonjour, c'est une petite blague, d'accord? Bonjour. Très bien. Donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bien la personne à laquelle je pense. Mais oui. Bravo, parfait. Ça vous en fera deux à éliminer. S'il faut en arriver là, je le ferai.
S'il faut, comment ça, s'il faut? Je vous dis que je contrôle la situation. Laissez-moi vous prévenir, si ça rate, vous serez seul. Écoutez, Roth, n'essayez jamais, jamais de me menacer. Pas de nouvelles de Karen Reichardt? Non, toujours pas, lieutenant. Que Curtis et Corso passent la prendre chez elle tout de suite. Entendu. Karen, ici Anne Grégory de l'école de Sarah. Je voulais vous dire que si nous pouvons faire quelque chose pour vous, comme par exemple garder Sarah, je vous en prie de téléphoner. J'espère que tout s'arrangera rapidement. Le policier qui est passé prendre Sarah semblait vraiment très inquiet. Allô? Josh? Oui? Josh, dis-moi, est-ce que tu comptes passer prendre Sarah à l'école? Non, pourquoi? Je devais y aller? Non, j'ai eu un doute. Tu en avais parlé l'autre jour, non? Non. Très bien, j'y vais. Et tu veux que j'y aille? Non, aucun problème. Merci. Bon, on va lui téléphoner. Si jamais je me trompe, tu me le dis. C'est bon? Oui, c'est ça. Allô? Bonjour. Où est Sarah? Elle est ici. C'est ta mère. Maman, tu arrives bientôt? Oui, ma petite chérie, je vais venir tout de suite. Repasse vite l'appareil à Vince. Tu veux bien? Oui. Mais à quel jeu est-ce que tu joues? Inutile de t'énerver, tu n'as aucune raison de t'en faire. Il faut qu'on se voit. Et où est-ce que vous êtes? Là où on s'est vu pour la première fois. C'est bon, j'arrive dans 20 minutes. Hé, hey, madame Ricard! Dépêche-toi, monte. Où elle est allée? J'en sais rien, on l'a perdue, on dirait. Tu vas bien, ma chérie? Mais oui, maman. Va t'amuser un peu plus, moi, tu vois. Je te regarde. Comment as-tu osé? Je devais absolument te faire venir ici. Et tu sais très bien que je n'aurais rien fait à Sarah. Vince, je sais que tu viens d'enlever ma fille. Alors dis-moi qui tu es. Je ne comprends plus rien. Tu as quelque chose pour moi? Oui. Bien. J'ai la photo que tu voulais. Une photo de ton poignet, et en la grossissant, on reconnaît ton bracelet. Tu voulais t'en servir contre moi, Karen? Comment est-ce que tu as fait? Je ne comprends pas. J'ai toujours un des appareils dont le compteur marque 0. J'aurais dû vérifier. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Pour de l'argent? Non, il ne s'agit pas de ça. Après la mort d'Anne-Marie, je voulais me venger. Je voulais expédier Passaro en enfer et je me fichais du reste, tu dois comprendre ça. Alors Suriot et mon capitaine Roth se sont mis d'accord entre eux et m'ont donné le feu vert. J'étais tranquille, j'avais une double protection, de la police et des truands. Ils avaient une idée derrière la tête, ils avaient trouvé l'homme qu'il leur fallait. L'homme de main de ces messieurs. Leur exécuteur. Il me tenait. Mais pourquoi Moon? Moon? Moon était devenu une menace. Townsend rêve de me démasquer. Il savait des choses sur Jerry. Alors il l'a forcé à marcher avec lui. Et cet indique, Alvarez, avait appris que je devais l'abattre ces jours-ci. Et il comptait me dénoncer à Moon. Et ça, il était hors de question de le permettre. Je les ai tués.
Oui, tous les deux. Je n'avais pas le choix. C'était ces types ou moi. Plutôt eux. Et maintenant? Je refuse d'en tuer plus. C'est dommage. Maman! Sarah, va-t'en! Oh. Trouve Sarah et va-t'en! Vince! Va-t'en! Maman! Sarah, écoute, il y a un restaurant au coin de la rue. Tu vas courir et tu vas demander qu'on appelle la police de toute urgence. C'est compris, ma chérie? Vas-y, cours! C'est dommage que ça se termine comme ça. Vous devrez aussi me tuer, monsieur Ross. Je suis un témoin. Debout. Oh. Vince, je vais appeler une ambulance. Non, je t'avais dit de partir. J'ai pas pu t'abandonner. Oh. Je suis fatigué de cette vie. Madame Ricard. Ça va? Votre fille vous attend dehors. Allez la rejoindre. Sale blessure. Il a dû souffrir. Morgan? Non. Il paraît qu'il n'a rien senti.